Soleil carrément. Bah oui, parce que sinon ça fait des gros reflets, on ne voit rien du tout. Effectivement, comme on a changé d'heure ce week-end, désormais, même quand je viens à 14h42, le soleil est déjà bien plus loin dans le ciel et du coup, bah, je l'ai en pleine face quand je me mets ici. Il va falloir que je réfléchisse à des nouveaux endroits pour m'installer, pour venir discuter avec vous. Nous sommes le lundi 28 octobre et on commence plutôt cette dernière semaine de Vlogtober avec une petite matinée qui a filé mais qui était drôlement sympathique, alors qui était drôlement sympathique par certains aspects, drôlement moins sympathique par d'autres, puisque je suis allée faire les courses ce matin accompagnée des deux filles, puisqu'on devait regarder des petits trucs d'Halloween, etc. Et que tu as deux enfants en plus, enfin tu as deux enfants pour faire les courses avec toi, les courses prennent deux fois plus de temps et elles te coûtent deux fois plus cher. Donc voilà, je ne sais pas quelle est cette sorcellerie, mais c'est un petit peu long, j'ai trouvé, mais voilà. Ça c'était la partie un peu relou. Et la partie vraiment très très sympa, c'est que j'ai rencontré Audrey, l'une d'entre vous là qui me suit ici et qui m'avait contactée il y a quelques temps. Elle habite pas très loin de chez moi et voyant que je faisais du petit rempotage de boutures de plantes, etc., m'avait dit: oh, si ça t'intéresse, moi j'ai des plantes bouturées à te donner. Et alors je suis toujours ultra preneuse de plantes vertes pour mettre dans mon intérieur, et regardez les merveilles qu'elle m'a ramener. Alors je vais quand même faire attention de ne pas renverser de l'eau sur les tricots, ça serait quand même bien dommage. Mais je vois des petites choses magnifiques par ici, elle est vraiment trop belle celle-ci. En plus là, je vois qu'il y a un bébé feuille, donc formidable. Celle-ci là que j'ai essayé de vous montrer en gros plan juste avant, elle a ses feuilles un petit peu velours comme ça, superbe. Ça je pense que ça doit être un peu de la famille du bégonia. Il faudrait que je me renseigne. Une fois que je les aurai bien rempotés, je scannerai. Et ça, je pense que c'est un pothos un petit peu clair. Bref, magnifique. J'en ai encore là aussi. Ouh, là. Voilà, elle m'a fait deux jolies petites stations de bouturage. Oh, la bibiche parmi ses plantes, c'est trop bien. Donc pour l'instant je vais laisser ça comme ça puisqu'elles sont dans l'eau, c'est très bien. Demain je pense que j'aurai pas trop le temps de m'en occuper. En revanche mercredi, opération, on rempote tout ce petit monde. Voilà. Et en plus, bon bah comme non seulement elle était ultra généreuse de me proposer ses boutures, mais en plus, bah voilà, en plus. Regardez ce qu'elle m'a ramené. Confectionnée par ses blanches mains. Non mais trop belle.
petite citrouille qui a déjà trouvé sa place hein, sur mon centre de table de salle à manger. Magnifiquement dans mon thème de couleurs, c'est parfait. Trop, trop belle. Donc, bah Audrey, si tu passes par ici, encore un immense merci, quoi. Pour ça, pour les petites plantes, pour la petite, le petit papotage du matin, c'était bien, bien chouette. J'ai passé un très bon moment. La partie d'après, des cours, c'était beaucoup moins sympa. J'aurais préféré rester discuter. Au fur et à mesure, je me pousse, il y a un moment, je vais être dans le mur, carrément. Donc, on va faire vite. Voilà ce qu'on va faire. Je voulais venir vous montrer le pull, le gaja. Un petit peu à la lumière du jour parce que hier franchement à la lumière jaune c'était magnifique, mais j'ai l'impression que de toute façon niveau luminosité on est peut-être un petit peu trop. J'ai filmé juste avant, donc je l'ai passé sur un câble et puis je l'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Donc ça fonctionne, la taille est bien, les bras ça passe et tout, donc c'est bien. Je vais continuer à travailler dessus pour refaire un essayage d'ici quelques temps quand il aura un petit peu grandi. Je voulais voir si on arrivait à mieux voir la couleur parce que donc je l'ai mis sur moi et puis j'ai fait quelques images et puis j'ai regardé là ces images sur le lecteur là, le petit visionneur de la caméra, et je me suis rendu compte que bah non, c'était toujours pas la bonne couleur quoi. Au retour. Alors pas là, là ça peut encore aller, mais ben là c'est trop sombre. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? J'ai dit à Pauline Bulbe Bizarre, je lui ai dit, mais tu dois te prendre la tête, ou pardon, à essayer de photographier tes... Il y a certaines couleurs qui doivent être vraiment complexes à photographier et à rendre bien en... Donc je ne sais pas comment elle fait. Quel est son secret? Je ne sais pas. En tout cas, bon bah là, c'est beaucoup trop sombre. Et je vous dis, quand je l'ai porté et que j'ai regardé au retour caméra, il y avait vraiment des grosses nuances, quoi, des zones toutes nuancées. Alors, certes, il y en a, mais pas à ce point-là. Bon, donc je crois que définitivement, il faudra, pour que vous vous rendiez compte de la couleur de ce pull, que vous veniez me rencontrer en chair et en os. C'est si vous voulez vraiment voir la couleur, bah vous me passez un petit coup de fil, vous me dites quand vous passez, puis le jour-là, je le porte, quoi, parce que c'est pas possible, sinon on va pas s'en sortir. Ah mince, j'ai mis de l'eau. Attendez, je vais esponger un petit peu. Bon, donc on n'est toujours pas bon pour la couleur. J'en suis... Vous voyez, là, quand je vous montre comme ça, on a vraiment l'impression qu'il est... Bah non, là, du coup... Je vais arrêter de me prendre la tête. Hein. On a l'impression qu'il est ultra nuancé. Or, il l'est, mais comme le coloris est plus foncé que ce que vous voyez là, bah, ça fait moins ces nuances-là. Bref, c'est pas grave, je vous dis, vous prendrez rendez-vous, vous passerez le voir à la maison, ça sera plus simple. Alors, ça, donc, c'est un échec, c'est un fail, puisque je voulais vous le montrer à la lumière du jour, mais finalement, c'est pas mieux. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est ma petite chaussette d'Halloween. Donc j'ai débuté hier la deuxième Pumpkin Socks. La première est ici. J'ai fait mon grafting là tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est nickel. Bah, c'est nickel sauf si je commence à perdre des mailles. Donc c'est vraiment ce sur quoi je vais travailler là aujourd'hui. Bah, je vais essayer de les finir pour jeudi. Allez, on va dire que c'est ça mon objectif. Ouais, 3 jours et puis jeudi. Bah, peut-être qu'elles ne seront pas lavées. Hein, mais si au moins les fils sont rentrés, c'est déjà pas trop mal, quoi. Donc aujourd'hui, l'objectif serait de réussir à tricoter la grille de jacquard. C'est faisable parce que tricoter du jacquard, c'est ultra... addictif, on a vraiment tout le temps envie de progresser pour voir le motif se former. Je vous avais promis de vous faire une sorte de petite vidéo, alors certainement pas tuto, hein, parce que voilà, je voulais vous montrer comment moi je tricote le jacquard de chaussettes. Enfin, vous avez été plusieurs à me demander, donc clairement pas un tricot, puisque ma façon de faire n'est clairement pas la façon ni la plus ergonomique, ni la plus rapide, ni quoi au caisse, mais c'est celle que j'arrive à faire moi. Et comme apparemment vous êtes plusieurs à me dire que vous aussi vous tenez vos fils dans la main droite, voilà, vous m'avez demandé de vous montrer comment je faisais. Donc je vais faire ça
quand tu auras un tout petit peu plus d'ombre là dans la cuisine, parce que là sinon c'est pas possible, c'est insupportable. Et voilà, donc ça sera ma petite vidéo gros plan de tout à l'heure en espérant que ça fonctionne bien. Donc là, je me mets un petit podcast. D'ailleurs, pareil, vous m'avez demandé quels étaient les podcasts, tout ça que j'écoutais. Je vous ai dit, hein, du tout à fait classique que vous connaissez déjà. Mais quand même, il y a une petite podcasteuse anglophone, donc elle est australienne, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Elle s'appelle Smash Knits. Je vous montre, hein, je vous mets sur sa... Voilà, je vous mets sur sa page YouTube. Et j'aime bien les choses qu'elle propose. C'est notamment chez elle que j'avais vu le châle Turtle Dove, là, que j'ai tricoté un petit peu plus tôt dans ses Vlogtober. Et voilà, j'aime bien ce qu'elle propose et j'aime bien les couleurs qu'elle utilise. Elle est assez joyeuse, enfin voilà. Donc c'est sympa, c'est une de mes petites découvertes récentes, mais c'est en anglais. Moi, j'aime bien écouter des podcasts en anglais parce que du coup, ça me fait bosser un petit peu mon anglais. Donc, voilà mon programme. La nouvelle vidéo de Smash Knits. Mon jacquard de chaussettes. Et puis, on essaye de se retrouver. Alors non, c'est demain qu'on saura si j'ai réussi à tricoter toute ma grille de jacquard. Parce que clairement, je vais en faire un petit peu là maintenant. Et j'en ferai aussi ce soir. Oui, devant la télé, tout ça. Voilà. Allez, à plus tard. Alors, c'est parti pour le tuto... jacquard chaussettes, qui n'est pas un tuto, hein. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Alors attention, déjà petit disclaimer, comme je vous ai dit, ma façon de tricoter le jacquard pour les chaussettes, enfin le jacquard tout court d'ailleurs, n'est clairement pas la plus ergonomique, clairement pas la plus pratique, rapide, etc. Mais je ne sais pas faire autrement, donc voilà, je montre juste pour les personnes qui étaient intéressées de savoir comment je faisais. Voilà, ne me dites pas oh là là, il faudrait pas faire comme ça et tout. Enfin, j'ai essayé hein, de tenir mon fil dans chaque main, mais c'est pas possible pour moi. Deuxième disclaimer, dès que je me mets, alors je suis installée d'une certaine façon, dès que je me mets à filmer pour le podcast, vous pouvez être sûr que je vais pas réussir à attraper correctement mes mailles et tout, puisque je regarde sur l'écran pour être sûre que déjà mon tricot est dans le cadre, parce que si je me mets là pour tricoter bien comme ça fait pour moi, ben je ne suis pas dans le cadre. Et donc pour être sûre que le tricot est bien dans le cadre et pour être sûre que c'est net et qu'on voit à peu près ce que je fais. Donc comme je ne regarde pas mon tricot, je regarde dans la caméra, et ben forcément on ne voit pas très très bien. On voit pas très très bien. Je ne tricote pas aussi bien que... Enfin, aussi bien, aussi fluidement que quand je tricote sans devoir regarder, que je filme, etc. Donc là, je vais arriver à mes petits chats qui sont ici. Donc les oreilles des petits chats. Et ce rang-là va être intéressant puisque je vais vous montrer et comment je tricote le jacquard et comment... je croise les fils avec mon truc. Mais d'abord, est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur cette petite beauté de chez Tessa? C'est vraiment beaucoup trop beau. Je vais arrêter de hurler parce que le micro est tourné dans mon sens. Donc, normalement, vous m'entendez bien. Voilà. Alors, comment je fais? Donc, j'ai mes deux fils dans ma main droite. Je les fais... Moi, c'est comme ça que je m'installe. Et donc... le fil qui est mon fil contrastant, je vais le prendre avec mon index. Le fil qui est mon coloris principal, je le prendrai avec mon pouce. Donc, une fois de plus, dites-vous bien que en temps normal, c'est un petit peu plus ergonomique pour moi. Mais là, je fais attention de regarder ce que je fais. Donc là, je dois tricoter un noir, un blanc, un noir... et après, j'ai 9 blancs à tricoter. Donc, ce que je vais faire, parce que 9, ça fait un petit peu long pour ne pas croiser pour moi mes fils pour les chaussettes. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 blancs. Et là, ce que je vais faire, je vais rotationner mon... rotationner n'existe pas, hein, comme mon tricot. Et ce qui fait que quand je retricote mon blanc, vous voyez, le noir se coince tout de suite dessous. Donc
Là, je vais en faire 4. 1, 2, 3, 4. Et donc là, j'arrive de nouveau là où je dois tricoter du noir. Donc, un noir, un blanc, un noir. Et de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je rotationne dans l'autre sens. Ce qui fait que ça va croiser aussi et mes fils ne s'en mêlent pas. Ça va croiser mon fil noir et attraper par le fil blanc. Et ça ne va pas faire de fils qui s'enroulent les uns autour des autres plein de fois. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc là de nouveau, fil noir en dessous, 1, fil blanc au-dessus, 2, fil noir en dessous, 3, et c'est reparti. Voilà, donc voilà comment je fais. L'une d'entre vous m'avait demandé aussi, elle voulait savoir comment je faisais mon tricot donc sur l'envers. Alors, pour ce modèle-là, étant donné qu'il y a énormément d'augmentation, hein, moi je tricote la deuxième taille qui est la taille 64 mailles, sauf que pour la grille jacquard, on passe à 84 mailles. Il y a vraiment beaucoup d'augmentation. J'ai pris une demi-taille d'aiguille supplémentaire, donc là je suis en 2,25, pour le jacquard je passe en 2,5. C'est vraiment amplement suffisant pour moi, je n'ai pas besoin en plus de tricoter sur l'envers, mais si jamais je devais le faire, alors attention, je vais essayer de ne pas perdre de mailles en faisant cette manipulation hautement, eh ben voilà, hautement compliquée, donc il suffit de mettre son travail... Oh, décidément, il y a trop de mailles, c'est compliqué. Il y a trop de mailles. Hop, hop. Il suffit de mettre l'endroit de son tricot à l'intérieur et l'envers sur l'extérieur. Ce qui fait que quand on tricote, naturellement, en fait, le fil va parcourir une petite distance supplémentaire. C'est comme quand vous faites la course à l'intérieur d'une... sur une piste de course, à l'intérieur ou à l'extérieur, vous parcourez pas la même distance. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah là, c'est la même chose. Alors, certes, c'est très léger, hein, si on veut la différence, mais il y a des fois, ça peut donner la petite aisance supplémentaire. Et donc, tout simplement, je tricote exactement de la même façon. Donc là, j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne pour attraper mon fil noir. J'espère que est-ce que j'oublie de regarder ce que je fais dans la caméra? J'espère au moins que ça aura été quand même... Ouais, c'est pas net, c'est bien. Bon, et ensuite... 1. Ouais, alors là, vraiment, je n'y arrive plus. J'ai toutes les mailles qui s'en vont, donc je vais me remettre correctement et je vais continuer. Je pense que le début, vous avez quand même pu voir à peu près comment... Enfin, ce que ça donne, j'espère que ça pourra donc servir à quelques-uns qui m'avaient en tout cas posé la question.
Alors, je me rends compte que je ne vous ai pas fait de retour sur cette petite bougie que j'ai trouvée pour rappel. Donc, c'est les bougies de Charroux. Et il y a une nouvelle boutique qui a ouvert à Metz il y a une semaine, 10 jours peut-être maintenant. Et donc, bah, j'avais craqué sur Marron Gourmand. Hein. Je pense que maintenant, vous commencez à connaître ma passion pour le marron. Et de tête, il me semble quand même que ça doit être 13,50 € la bougie. Là, je ne sais pas combien il y a dans celle-ci. Ce n'est pas le plus gros modèle. Il y a encore un plus gros. Et je pense qu'ils doivent les avoir aussi en plus petit. Bref, donc quand je l'ai fait brûler la première fois, franchement, j'avoue que j'étais un peu déçue. Parce que j'avais l'impression que ça sentait pas grand-chose. J'avais l'impression que la bougie sentait vraiment beaucoup quand elle était... sans être allumée et que le bocal était ouvert. Mais par contre, je trouvais qu'à la faire brûler, il n'y avait pas grand intérêt. Enfin, je sentais pas grand-chose. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que je ne l'ai pas laissé brûler assez longtemps la première fois. Je crois que pour cette taille-là de bougie, il recommande de les laisser brûler, je crois, 2 heures, il me semble, pour que, vous savez, pour que ça fasse pas un puits au milieu et que ça brûle de façon uniforme. Enfin bon, bref, donc je pense que la première fois, je l'ai vraiment pas laissé suffisamment. Et en fait, dès la deuxième fois, en réalité, ça sent vraiment, non seulement, très fort. Alors, pas très fort dans le sens entêtant, ça fait mal à la tête, etc. Mais on sent vraiment l'odeur de la bougie. Et ça sent vraiment extrêmement bon. Ce marron gourmand, là, bon, bah, tout est dit dans le titre. Hein, effectivement, hyper gourmand, avec un goût un petit peu vanille. Enfin, un goût, du coup, une odeur. Lapsus révélateur. Une odeur vraiment un peu vanillée. Donc ouais, extrêmement gourmande, ça sent super super bon. Donc l'inconvénient, c'est que quand vous commencez à la brûler, alors maintenant ça sent tout de suite. Maintenant, dès que je l'allume, je sens quelques secondes après, minute après, je commence à sentir l'odeur. Mais je pense que voilà, la première utilisation, il faut vraiment la laisser brûler un petit moment et pas s'inquiéter si... C'est le chat qui vient de marcher sur le piano, tout va bien. Mais ça va pas, non? Donc voilà, et donc pas s'inquiéter si au début on trouve que l'odeur est pas hyper, hyper présente. En réalité, ça vient très très vite, quoi. Voilà! On se retrouve en cette fin de journée. Et, il est 19h50. le changement d'heure, on en parle? Alors, perso, j'ai passé une nuit mais complètement pourrie. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Alors c'est peut-être dû au pumpkin latte là qu'on s'est fait vers 4h30-5h hier. Sachant qu'en plus on avait une heure. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sens que c'est ça, c'est le café que j'ai pris trop tard. Et tel un Gremlins, un Mogwai, il ne faut surtout pas me donner de café au-delà d'une certaine heure, sinon je me transforme en Gremlins. Et d'ailleurs, je pense que je vous aurais mis, je crois que je l'ai filmé, la petite ce matin pendant les courses, elle a essayé un masque de Grim, alors de Mogwai du coup, et la version gentille du Gremlins. J'avais trop envie de lui acheter tellement ça allait tellement bien, mais bon, bref, donc je ne l'ai pas fait, hein, voilà. Fin de la parenthèse. Donc oui, je pense que le café d'hier de fin de journée n'a vraiment pas aidé. J'ai eu un mal de chien à m'endormir, j'ai pas arrêté de me réveiller dans la nuit. Et ce matin, j'étais levée vraiment aux aurores. Bah forcément, il fait jour, quoi. Enfin, aux aurores. Toute proportion gardée. On va se mettre un petit peu de lumière parce que bah du coup, voilà quoi, hein. Vous voyez, il est un petit peu tard, donc le repas est en train de cuire. Après ma petite compote qui est donc terminée, j'ai lancé un chili. On a un copain du grand qui est là ce soir, donc je me suis dit c'est un très bon plat, ça pour on peut en faire en grosse quantité. Et puis comme ça, voilà, on va se manger ça après. Non, avant de faire ça,
où j'en suis de ma chaussette. Hein, je vous ai dit, objectif du jour, ça serait d'arriver à la fin de la grille de jacquard, de la tige. Donc, si j'allais dire, j'ai la deuxième. J'ai fait à peu près la moitié du motif. Je suis arrivée à la fin du à la fin des chats. Donc maintenant, j'ai les petites pumpkins à faire. Et puis ensuite, retour sur le motif un petit peu de losange là. Donc je crois que je suis au rang 23 ou 24 sur 43 rangs. Donc franchement, il est possible, si le montage de cet épisode ne me prend pas trop de temps, que je termine le jacquard ce soir, ou enfin voilà, ou quasiment. Et demain, comme j'ai un petit peu de voiture, peut-être j'arriverai à faire le talon, ça serait cool. Demain, avec les filles, on va aller faire un petit tour à Luxembourg. On va aller forcément à la boutique Bastelkist, parce que voilà, boutique de loisirs créatifs, c'est un petit peu le passage obligé quand on va à Luxembourg avec les poulettes. Mais j'avais très envie d'avoir terminé de détricoter mon machin là, pour savoir si je pouvais réutiliser la laine, puisque mon petit Farfadet et malicieux aka ma petite Sabrina Choupinette m'a offert le patron du Lulu Sleepover. Voilà, et bon, vraiment, plus je le vois, plus je l'aime, celui-ci. Donc je pense que si j'arrive à avancer un petit peu sur le détricotage de ce truc ce soir, peut-être ça va me donner une idée de savoir est-ce que ça sera bien, est-ce que je peux juste adjoindre un brin de mohair et ça sera suffisant. Sinon, eh ben, je pense que je partirai. C'est un modèle qui se tricote en déca, et donc je pense que je partirai demain pour regarder pour de la déca, peut-être chez Lang. Ils ont plein de mérinos de différentes épaisseurs, donc je pense qu'ils ont un mérino qui me convient. Ouais, j'aime vraiment bien ce modèle. Je le trouve tellement beau, je pense qu'il irait tellement bien sur ma chemise blanche. Là, j'ai trop envie. Donc voilà, ma choupette, si tu passes par ici, je pense que tu passes encore un immense merci, mais toi, tu me gâtes. Bon, Véro et toi, enfin bon, bon, non, mais tout le monde me gâte en réalité. Donc, bah, un grand, grand merci, quoi. Et du coup, bah, plus le choix, hein. Maintenant, il faut monter cette petite chose. Donc, ce que je vais faire, je vais vraiment profiter, je crois que j'ai encore une dizaine de minutes pendant que le riz est en train de cuire, pour essayer de continuer ce petit détricotage, et la suite demain, quoi. On saura ce que ça a donné. Est-ce que effectivement je vais pouvoir partir sur l'idée que j'avais d'utiliser cette laine, ou si c'est vraiment... Là, je vois la laine, elle est feutrée, c'est compliqué à... Ça m'a pas fait ça dans l'autre, alors je pense que celui-ci, je l'ai plus porté au final que le grand gilet gris là que j'avais détricoté il y a 2 ans. Parce que vraiment, ouais, celui-ci, j'ai vraiment de la peine à le défaire convenablement. Donc voilà, on se retrouve demain, le suspense reste entier. En attendant, bonne journée, bonne soirée, enfin voilà, ça dépend quand vous me regardez, mais j'espère vraiment que cet épisode ne va pas être trop décousu, parce que je sens que le manque de sommeil fait que je ne sais pas du tout ce que j'ai filmé, je crois que j'ai été brouillon. Bref, on verra. En revanche, juste un tout petit mot pour vous dire un grand merci. Parce que ce matin, quoi, est sorti l'épisode des jours 26 et 27, quoi, du week-end. Et vous avez vraiment été très, très nombreuses à commenter pour me dire que ça vous avait vraiment plu, le choix de la musique, sur les images, etc. Donc un grand merci, parce que, mine de rien, oui, c'est un petit... Alors c'est du travail, entre guillemets, hein, c'est pas du vrai travail harassant, je ne suis pas à l'usine. Mais effectivement, je me prends la tête pour savoir, est-ce que je mets plutôt cette musique-là? Ah non, allez, hop, je vais rechercher une autre sur leur site pour que ça colle vraiment. Donc un grand, grand, grand merci quand vous me faites des retours comme ça. Forcément, je suis contente et je suis un peu fière, quoi. Je me dis, ah bah c'est bien, c'est pas si mal. Tremble, Steven Spielberg, tremble. Hein, si je me mets à faire des longs métrages, tu perds ton emploi à Hollywood, c'est sûr.
Je raconte n'importe quoi, donc je vous laisse, ça me semble logique. Je vais voir ce que j'arrive à faire de ce truc et en attendant, je vous fais de gros bisous. À demain.